Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez de lui, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Bon, moi, c'est un témoin de remerciement. Je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a délié des liens de la mort. Parce que, toute petite, c'était que la maladie. La maladie et la maladie. Des analyses et des analyses, mais rien n'allait. Bon, quand j'ai commencé à aller à l'école, à chaque fois que je dois passer des examens, c'est la maladie. Jusqu'en terminale, j'ai fait le bac pour affamer. À cause de la maladie, j'ai arrêté. Donc on m'a dit, si c'est à cause du bac, tu dois mourir, donc il faut arrêter. Donc j'ai arrêté le cours. C'est comme ça, bon, je ne pouvais. Mais la maladie, ça vient toujours. Jusqu'en cette année, je ne pouvais plus. J'étais tellement malade, moi-même. Franchement, j'étais fatiguée. Je me suis dit, pourquoi moi, mais pourquoi les autres? C'est un péché, j'ai pu faire plus. Toujours se voir sur malade, Donc, comme ça, comme Dieu est le maître des temps des circonstances, il fait toujours bon en son temps. Donc, cette année, puisque mon mari est ici, moi j'étais à Abidjan. Quand la maladie a commencé, moi j'ai dit à Abidjan, à mes parents d'Abidjan, qu'ils veulent venir ici. Donc, moi j'ai une tante qui m'a dit qu'elle là, que Dieu lui parle. Qu'est-ce que je viens ici là? Ma grand-mère m'attend pour me tuer parce que c'est une sorcière. Moi je lui ai dit, parce que la Bible dit toute l'homme qui se lève aujourd'hui contre toi, tu la condamneras. Donc je lui ai dit aussi que moi aussi Dieu me parle. Il m'a dit, ma fille ne mourra pas, mais tu vivras. Mais donc pour laquelle je suis venue, mon mari m'a dit, lui-même m'a dit, tu n'es pas converti. Il m'a dit, ah, viens, il y a un homme de Dieu ici, il a prié pour une telle fille, voilà ce qui s'est produit, viens. Je suis partie, ils ont prié. Franchement, je n'arrivais pas à dormir. Mais après la prière, j'ai bien dormi. Et en moins de 3 mois, j'ai récupéré normalement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça vous dit que Dieu est capable de tout. Il est le maître des temps des circonstances. Il est tout. Tout ce que l'ennemi peut faire dans notre vie, c'est Dieu qui permet cela pour voir la gloire de Dieu. Moi, je suis d'une famille chrétienne. Mais je n'ai jamais reconnu Jésus-Christ en tant que tel. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Maintenant que j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon sauveur personnel, j'ai cru en lui. Vraiment, ça m'a aidé sur ma vie. Donc, on se soit, je ne vais pas me taire sans dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.